Bonjour, je m'appelle Pascal, je suis une enseignante en éducation physique et santé, je suis aussi une ambassadrice d'OUFIA. Bienvenue à notre semaine numéro 1 d'une nouvelle unité. Le titre de la leçon, ça s'appelle « Intérieur, extérieur, sûr ». On va cibler ici l'exploration du mouvement et particulièrement la locomotion, la façon qu'on se déplace. Les ressources d'OUFIA que je vais utiliser comme référence pour ma leçon, ce sont l'apprentissage fondé sur l'enquête en éducation physique et santé, également les affiches d'habileté motrice, ainsi que quelques-unes des activités ou des exercices tirés du paquet de 50 activités physiques. Alors, avant de commencer, n'oublie pas les éléments sécuritaires. Tu peux t'y référer dans OUFIA pour tous et regarder, chercher la vidéo qui s'appelle « Alors, commençons ». Vérifie que ton espace, ta surface et que c'est libre d'obstacles avant de commencer. Le résultat d'apprentissage que nous travaillons aujourd'hui. J'apprends à me déplacer de différentes façons en variant la hauteur, la position, la vitesse, le trajet, la direction, tout en démontrant de la sécurité. Alors, critères pour que tu vas chercher, voir si tu réussis la tâche, ce qu'on cherche. Je peux adapter ma façon de me déplacer en fonction des objets ou du matériel qui se trouvent sur le parcours. Je peux contrôler les parties de mon corps, par exemple la tête, les épaules, les bras. Je garde les yeux qui regardent vers l'avant en fonction des mouvements que j'essaie. Et le troisième, je peux utiliser mes habiletés de pensée critique pour expliquer comment mes déplacements, qui veut dire les parties de mon corps, l'espace que j'utilise, l'effort que j'y mets, les relations entre moi et des choses autour de moi. Alors, comment ces déplacements améliorent les éléments de ma stabilité, de ma locomotion, la façon que je manipule, ainsi que ma confiance dans une variété d'activités. Alors, c'est lourd, mais très complet. Le matériel que tu auras besoin pour cette activité. Alors, tu dois trouver des choses aujourd'hui. Je vais t'offrir des suggestions, mais c'est à toi de trouver des objets dans ta maison, dans ta cour, qui vont te servir. Alors, tu trouves des objets peut-être dans ta maison, disons alors. Si tu as à créer une forme, qu'est-ce que tu as dans la maison qui pourrait servir pour créer une forme que toi, tu trouves intéressante, évidemment? Si tu étais dehors, par exemple, est-ce qu'il y a des choses à l'extérieur qui t'inspirent? Par exemple, si tu vois un papillon et tu adores les papillons, est-ce que tu pourrais utiliser la forme du papillon pour inspirer la forme autour duquel tu vas travailler aujourd'hui? Alors, tu pourrais utiliser un ruban masque pour placer par terre aussi dans ta maison, pour créer même juste un gros cercle, un gros carré, un gros rectangle. Donc, ça peut être une forme de base, bien sûr. C'est la forme qui sera ton aire de jeu. Alors, la taille que tu la mets, c'est là où ce que tu vas te déplacer. Des exemples qui pourraient être utiles dans ton matériel. Hein? Donc, j'ai mentionné le ruban masque,
si tu es dehors, des bâtons, peut-être des cerceaux si tu en as, des oreillers dans la maison, des bas, des longs bas, ça pourrait être utile pour créer ta forme, des cordes à sauter. Si tu as une corde élastique, ça peut être très utile, je vais te montrer tantôt. Des branches, des bûches peut-être si tu en as à l'extérieur, des planches, regarde. Donc, voici l'activité. Tu dois créer une forme pour ton aire de jeu avec le matériel que tu as. Tu vas me montrer comment tu peux utiliser le mot intérieur, extérieur et sur avec cette forme. Tu vas utiliser différentes façons de te déplacer. Alors, ça va être peut-être marcher, galoper, sauter, courir, ramper. Tu vas aussi varier la hauteur de ton positionnement. N'oublie pas de varier la vitesse. Alors, des fois, tu vas aller lentement, des fois, tu vas aller très vite. Des fois, tu vas aussi varier le trajet. Alors, parfois, ton trajet va être des lignes droites, des lignes courbées, des lignes en spirale, un trajet zigzag ou ondulé. N'oublie pas de varier ta direction. Alors, je ne veux pas toujours que tu te déplaces en avant. Des fois, on peut se déplacer de côté, de reculons. Alors, varie tes directions. Je t'ai créé un petit référentiel ici qui pourra te servir d'un rappel. Alors, tu peux toujours, après ton visionnement de la vidéo, tu peux revenir ici puis juste appuyer sur pause et garder ce référentiel en tête quand tu te déplaces autour de ta forme, dans ta forme, sur ta forme. Tous les éléments que tu dois intégrer et varier. Alors, moi, je vais te montrer un petit peu ce qui m'a inspiré chez moi. Alors, regarde le matériel que j'ai trouvé chez moi. Et je vais te montrer quelques exemples que j'ai créés avec ce matériel pour intégrer tout ceci. Regarde! C'était amusant. J'ai des idées de prolongement pour toi. Comment tu peux aller plus loin? Pense à trois autres mots que tu pourrais utiliser au lieu d'intérieur, extérieur et sur. En dessous, par-dessus, à travers, par exemple. Trouve du matériel ou de l'équipement qui pourrait te permettre de te déplacer selon les façons qu'on a étudiées en variant la hauteur, la vitesse, le trajet et la direction. Alors, regarde autre matériel que tu aurais pour faire ceci de façon sécuritaire. Troisièmement, comment est-ce qu'un dé pourrait changer ton activité? Quelques modifications à apporter pour un apprenant qui éprouve des défis de motricité. Parfois,
même l'habileté de base de s'arrêter et de recommencer, redémarrer, peut être difficile et il faut explicitement démontrer ceci à notre apprenant. Alors, il faut parfois modéliser, bien sûr, mais guider l'apprenant dans ses habiletés-là. On peut avoir un appui visuel, alors ça peut être un objet ou quelque chose, une couleur qu'on tient, ça peut être un geste pour appuyer aussi la commande verbale. Une autre modification qu'on peut apporter pour un apprenant ou une apprenante qui a des défis avec sa motricité globale, on pourrait aussi expliquer à l'apprenant de façon explicite encore les termes intérieur, extérieur, sûr. Alors, ça pourrait être à l'aide d'un visuel et qu'on leur démontre intérieur, extérieur et sûr. Et ça pourrait appuyer pendant les déplacements de cet apprenant. J'ai des questions maintenant pour toi. Je veux que tu réfléchisses, je veux que tu penses de façon critique. Parce qu'on fait on a fait des enquêtes ici, n'est-ce pas? Alors, des questions que j'ai pour toi. On a appris de se déplacer de différentes façons aujourd'hui, au cours de tous les formes que tu as essayées. Quels sont les éléments qui t'ont plu, qui t'ont apporté du plaisir? Deuxième question. Décris deux activités ou des sports pour lesquels on doit utiliser une variété d'habiletés locomotrices. Question 3. Décris, pense à ta forme ou les formes que je t'ai démontrées. Et les formes que tu vas essayer. Alors, décris un espace qui était à l'intérieur, à l'extérieur ou sur ta forme et que tu cherchais à te déplacer d'une certaine façon. Alors, la certaine façon, ça serait en fonction de nos pieds par ici ou que tu aimerais essayer la prochaine fois. Alors, bonne chance avec tout ça. Amuse-toi. Partage-nous tes mises à l'essai avec le mot-clé OFIA pour tous. Partage-nous à OFIA Canada. J'ai hâte de voir ce que tu as fait.